Père, nous sommes en train de te dire un très grand merci. Parce que à chaque instant de nos vies, nous ne cessons de voir les actions concrètes que tu poses dans la vie de chacun. Et nous voulons te dire un grand merci pour la vie. Mais nous voulons aussi te dire un grand merci pour la joie et la louange que nous pouvons faire monter vers toi. Nous te demandons de bénir ces instants et que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Que ton amour nous fasse alors par ta parole beaucoup du bien. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Nous sommes en train de dire un très grand merci au Seigneur parce qu'il nous a encore reconduits ici. C'est vrai que ces derniers temps, lorsqu'on m'appelait, j'étais tellement occupée que je ne venais pas veiller m'excuser. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous disons merci à Dieu. Nous disons aussi un très grand merci à Papa Édouard. Je vous ai déjà dit que mon père s'appelait Édouard. Alors, Papa Édouard Ngungu, que Dieu le bénisse abondamment. Je suis fière et dans la joie de savoir que le stade est fini. C'est beau à voir. Beau à voir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que nous parlons du règne des dieux. Que ton règne vienne. Nous allons prendre deux textes bibliques. Le premier texte, nous le trouvons dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 115, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Psaume au chapitre 115, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Le deuxième texte, nous le trouvons là où nous avons pris notre thème. Matthieu au chapitre 6. Matthieu 6, à partir du 9e jusqu'au 11e verset. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Non, pas à nous, Éternel. Non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations dirent-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dans d'autres versions, c'est écrit, notre Dieu est au ciel et il règne. Parole du Seigneur. Nous prenons notre deuxième texte, Matthieu au chapitre 6. Nous prenons à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset. Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste, que ta sainteté, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Nzamba pambole langa bino kandengo lobi amen ba miracle bando bimela bino. En réalité, dans le premier texte que nous avions lu, c'était pendant le moment le plus difficile d'Israël parce que les ennemis qui les entouraient étaient en train de détruire Israël et par de guerre. Ils affaiblissaient Israël par des problèmes. Israël était affaibli et plusieurs peuples étaient en train de se moquer d'Israël parce qu'il y a de ceux-là qui se posaient la question de savoir où est leur Dieu. Or, Israël avait l'histoire de son Dieu. Il savait que le Dieu qu'il était en train de prier, c'est le Dieu qui les a fait traverser du Jourdain. Non simplement il les a fait traverser du Jourdain, mais ce Dieu-là leur a fait tellement beaucoup du bien. Il leur a nourri, il leur a donné de l'eau. Ils ont fait des exploits avec leur Dieu. Et toutes les nations environnantes savait que le Dieu d'Israël, c'était le Dieu qui faisait des exploits. Malheureusement, pendant que les Philistins ont commencé à saccager Israël, Israël était devenu affaibli. Toutes les nations étaient en train de se moquer d'Israël parce qu'ils se posaient la question de savoir où est votre Dieu. Et lorsqu'ils posaient la question de savoir où est votre Dieu, parce qu'ils ne pouvaient jamais accepter que les gens qui ont un Dieu
Dieu qui fait des exploits, malheureusement qu'il puisse tomber plus bas. Et Israël, ce jour-là, lorsqu'on lui posait la question de savoir « Où est ton Dieu ?», il a répondu directement au peuple environnant « Notre Dieu est au ciel. » Bois devant position à faiblesse au lieu de kanga munoro bokangi munoro te bo signaler batunyo surtout baya ya bo banga te nzambe na biso azali kolo. Et lorsque nous sommes en train de lire dans Matthieu au chapitre 6, la Bible est en train de nous montrer juste au 9e verset, pendant que le Christ était en train de montrer à ses disciples comment est-ce qu'ils pouvaient prier, parce que vous allez comprendre que le chapitre 6, ce sont des enseignements que le Seigneur était en train de donner à ses disciples pour qu'ils puissent demeurer dans la foi, qu'ils puissent s'asseoir dans la foi et qu'ils soient forts dans leur foi. Bien-aimés, eux aussi, Jésus, lorsqu'il commence, il dit à son peuple, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Le peuple d'Israël répondait, notre Dieu est au ciel. Mais de ce côté-là, le Christ disait, vous allez prier en disant, notre Père qui est aux cieux. En réalité, Jésus ne voulait pas dire qu'il habite quelque part là au ciel, mais il montre la position de Dieu par rapport à tout ce qui existe. Bien-aimé, on a Nzamba dans la position. Oh, amen, nino yandenge nino wana nzamba ana position. Oui, au moins, on coûte un soda mousso aza général mazanga position. Biso nzambe na biso aza na position. Likolo, mutwa kokyo kitisaya zate. Makambwe kokyo perturbe kozalane bon nzambe te. Pon nzambe, aotika la nzambe lipela. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, mets-toi en tête que tu as un Dieu qui règne. Il est au ciel. Mutwa obenda ya kitisaya zate. Makambu pe ya vina yue ko suki sa bonzambe na yote. Yangwana chango na motema. La position de ton Dieu te permet à connaître la position que tu as aussi de force par rapport à tes ennemis. Lui est au ciel. Et lingolo bete bisope to ali kolo avec lui. A totongi lelo non changé te na likolo parce que muto tonga ka faible muto makas atonga te alagisaka nombre basite alagisaka nombre bilamba te po ayebi ma force ne vient pas de ce que j'ai, ma force vient de la personne qui est au ciel. Est-ce que nayoki amen ya moto moko? Et ce qui est bizarre, pendant qu'il était en train de dire ça au peuple, le Christ a montré que notre Dieu a une position qui est élevée. Mais ici, Israël, pendant qu'ils étaient en train de pleurer, il disait aux peuples environnants, notre Dieu est au ciel. Mais le Dieu qui est au ciel, à Kanga Mabo côté, il règne. Et l'ingolo ba koma mpakate, a koma kokote, ton Dieu règne. Soto lobi mutwa ko régner et lingolo bazo konza alikolo. Et le Christ, lorsqu'il est en train de montrer aux disciples qu'ils puissent prier à chaque instant que son Dieu est en train de régner, il comprenait que le peuple devait savoir que le règne des hommes est limité, mais le règne de Dieu n'a pas de limite. Bien aimé, moto à sala comme abe, à sa limité. Mais celui en qui tu crois, en qui tu places ta foi, celui-là a un règne qui est illimité. A qu'on régne partout, à tout moment, à chaque instant, parce que notre Dieu ne connaît jamais de limites. Ton Dieu ne connaît jamais de limite. Parce que son règne est en train de venir dans ta vie. Depuis que tu as accepté Jésus, le règne de Dieu est entré dans ta vie. Cette fois-là, elle entrera dans tous les aspects de ta vie. Elle entrera même dans ta destinée, dans tout ce que tu es en train de faire. Parce que le règne de notre Dieu est illimité. On dirait que le Christ était un quinoa. Il disait au peuple, bolo baranaye,
pour atombwana asale la bino bolam ke yero yazana libos na likolo reni na ye e ana sukate ya baboti na biso ekokyo suka ya bakambi na biso ekokyo suka ya moto yo atonga ko ekosuka d'ailleurs ya ennemi no ezo suka mikolo yo meza ya mutu moko esuka kate eza ya nzambe lokola ya nzambe na yo ekosuka te moto pa kosuki sa vina yo azate moto pa kosuki sa yo azalite parce que le règne de Dieu est illimité et nous avons hérité le règne par Jésus. Régnez, il y a héritage tozoa na Jésus. Il y a un lokola tozoa na Jésus, il y a bisopé illimité. Il y a un bien-aimé, quand tu comprends que Dieu a une position qui est élevée et que son règne est illimité et que le règne des hommes est limité. Ah, au bangara suba tangote. O banga genemite poyoso yokika makambo bandio lenga olobika nasuki. Et aujourd'hui j'étais en train de prêcher quelque part là na radio moko na loba l'efficacité de l'offrande que Absalom a fait et le rese qui si vinanga. J'étais en train de parler de David. Kanisa David impuissant, il n'a pas reculé devant Goliath. Il n'a même pas reculé devant Saoul. Mais quand Absalom l'air a proclamé comme roi, na David babengana ye na trône te meye moko akima. Na kamwe likambo ngo na Bible, pourquoi 2 Samuel au chapitre 15, pourquoi David a kokima l'air a yoki Absalom? Parce qu'il était déjà devenu faible. Mais notre Dieu n'a jamais faibli. Notre Dieu ne changera jamais. Comme son règne est illimité, na obonde la leloa kota makambo vina yo, na bitumbo yo yo zo souke lozo mona toko kende wapi, que tu ne perdes pas espoir parce que le règne de ton Dieu est illimité. Comme elle est illimitée, le règne des hommes sont limités. Aoko ma chef lelo lobi ako souka, aoko ma mutu lobi lobi pa kokundama, mais Dieu ne changera jamais son règne. Lokola o changer règne na yete elingolo bete, lorsque tu lui fais confiance dans ta vie, tu marcheras de victoire en victoire. Bien-aimé, le Christ voulait montrer au peuple que le règne des hommes est illimité. Et lorsque le peuple d'Israël était en train de répondre aux Philistins, il voulait simplement leur dire Atabozo lelisabiso lelo nzambe na biso azamokonzi a osukakate. Ton Dieu, quels que soient tes pleurs, a osukate. Il continuera à être Dieu. Mais yebangango avant boulo yuesila, il faut alpeso elonga na bato yo reni na bango eza limité. Ah, na yoki yoko loba meni malamo te. J'avais un oncle qui travaillait dans une grande entreprise de la place. Il voulait sortir en pension. Mais avant de sortir, tous les membres de l'entreprise virent le boulot qu'il a rendu dans ces pays. Ils se sont décidés que les maisons de cette entreprise-là devaient revenir aux gens qui l'occupaient. Mais son chef, il avait tellement insisté, il ne voulait pas de ses projets, bien que le président avait déjà signé ses projets et les projets avaient déjà trouvé l'approbation de tout le monde pour qu'on puisse récompenser cet homme. Il est parti en pension sans être récompensé. C'est que son chef ne savait pas, il allait sortir aussi un jour en pension. Lui pensait que son règne devait continuer. Et juste en une année, avant qu'il ne parte en pension, il relance les projets qu'avait déjà signé le président. Il dit non, il faut que vous puissiez donner aux gens qui ont fait un bon rendement de maison de la compagnie pour que ça puisse devenir leur bien propre. Tous les membres de la compagnie à l'unanimité lui ont dit, nous le ferons, mais part d'abord en pension, ceux qui viendront vont profiter de ces projets-là. Rabi que père abeta marque nyo soto esimbate. Akende pension sans azwa. Ya ganisa ki lera zo sala baninga mabe e okoyela yete nzoke koyeli yepe. Pona ola kisa ke le règne des hommes
est limité. C'est pourquoi je suis en train d'annoncer à une personne qui est en train de régner quelque part. Sache que ton règne est illimité. Et si le Seigneur te place quelque part, c'est pour que tu sois la lumière. C'est pour que tu puisses faire sourire les gens. Est-ce que Nayoki amène à Moutumoko? Chef Mokwaza Katikati Nabiswa Wayoki Ango. Bien-aimé, Israël était dans la joie. Lorsqu'il disait que son Dieu était en train de régner, il voulait dire simplement, notre Dieu est en train d'agir. Je veux dire à une personne ce soir, ton Dieu agit. Ton Dieu agit. À côté qu'à ça la terre pour la vie nayo, il agira. Surtout que le Christ est dans ta vie, lui, il continuera d'agir parce que nous avons un Dieu qui agit tout le temps parce que c'est un Dieu en action. Est-ce que nayo qui amène nayo? Notre Dieu est en action. Yango na ba problème yo zomo no suki ne limite pas Dieu parce que c'est lui qui règne agit toujours. Quelle est la quantité de tes problèmes? Notre Dieu règne. Celui qui règne, il agit. Même si tu vois des choses impossibles aujourd'hui, demain, ça sera possible. Il va te sourire parce qu'il t'accordera encore la joie du cœur. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu en action. Or, le Christ, lorsqu'il est en train de demander au peuple de prier que le règne de Dieu est là, le règne de Dieu n'a jamais connu de faille. Le règne de notre Dieu n'a jamais connu de faille. Vous savez, parfois en priant, on a comme l'impression que Nzambazo bunga rumba. Est-ce que vous me comprenez? On dirait que quelque part dans ta vie, il oublie de faire ce qu'il doit faire pour que toi, tu deviennes ce que tu penses devenir. Parce qu'en réalité, chacun de nous a ses attentes devant Dieu et nous avons notre espérance devant Dieu. Et si on a moins dans la mutuba, le bina ngali kambo yo songo la réponse nangweza direct, je donnerai la réponse. Mais parfois, on a comme l'impression que le règne de Dieu est en faille parce qu'il n'agit pas par rapport à ce que toi tu es en train d'attendre. Mais je veux te dire ce soir quelque chose qui doit te soutenir dans ta vie. Même lorsque tu ne comprends pas les actions de Dieu, laisse Dieu agir. Je te répète ça. Même si tu ne comprends pas les actions de Dieu, tika ya sala. Pour l'heure, pourquoi m'en asuka? Oh mon amagambo lingela kiyo. Il y a parfois des moments dans la vie où on est en train de dire à Dieu, ah, falo lobaka akop ngwe linga ko zala boyete. So lobaki nangana zala mutema makasite, nangana zala mutu makasite. Parce que lorsqu'il commence à agir, on dirait que quelque part il est en train de te tromper ou encore il se trompe dans ce qu'il fait. Oh, le règne de notre Dieu n'a jamais eu de faille. Ce qu'il lobby, et ça là n'a failli te. Abimisa Israël na katia boumbu, yope, a ko faillir na vie na yote. Il est en train de te conduire sûrement, mais vers la victoire. Et que cette victoire là s'élève aujourd'hui parce que Dieu ne se trompe jamais sur nous. Notre avenir, il ne fait jamais de faille, il nous conduira toujours vers la victoire. Ngo musuna lobina nzambe lena otala vinanga. Na lobina so na yebaki kokosuki sa vinanga ndengo zo suki silango lelo. Na ki pasteur nanga nanga na banoteka ba gato te. Pour y aller, si on a un mot à teka na vite, nga na teka na tembe. Ti ba carte pour citoyen Mobutu na teka kam. Oye ba carte de citoyen Mobutu. Et ari lokola maputo funuli angoye mulai. Ya vert. Ya bendele ma ya pondu. Na teka na nyo. Likolwa ko luka pozo yeba te via ngwe ko suka ndenge nini yaya nateka na madesu balamba na coin mais avec mon diplôme de licencié mais le règne de Dieu n'a jamais eu de faille. Je veux dire à une personne ce soir, Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il est en train de faire avec ta vie, mais dis lui simplement d'écourter les choses
pour que tu puisses vivre la joie venant de sa part. Pour ma grand-mère, on peut sauver les gens qui ont été mortes à la dengue, mortes à la dengue, mortes. Il y a une prière, n'abîme pas quoi les lots. Qu'il écoute les choses pour que tu puisses comprendre dans son règne à l'ingaki nini. Pense un peu ce Dieu-là. C'est lui qui règne. Il amène son fils même jusqu'à la mort sur la croix. Bah y a tout bas au sekana terre. Yepe Jésus en wazong ici, tout est accompli. Et pourtant, il était sous contrôle de ses bourreaux. Lui, il s'écrit, tout est accompli. Nansi na ba na quartier balobine, tout est accompli à nini. Yé yone koulous, a kokisye logote, nzoka kokisaka ya solo. Parce que c'est un Dieu qui règne. Et bah tout nion soleba moni Jésus. Koutou Jésus a un peu moutou en gambo. A kota na sepulcre ya yete ba defisa ye na sepulcre. Mon te dit qu'il est Dieu. Me tombo ba chila giye. Yangana. Yango e fale kaka se kwa po kolo tombo. Mituna soka sekwa kite kolo tombo alingakatika la pamba anga bandolela nazana tombo nanga malamu jovana bawe benga Jésus bakundela yekuna mwena récupéré ghetto nanga suke zate bolongolela nga mikuwa na ye pona ana posa tombo nanga erez manzamba za calculate a calcula nyoso a sekwi si Jésus alobi na Simon kendozo wa oyo ayo tombo na tikili. Moi, je suis en train de faire des familles, c'est les reines de ton Dieu. Ceux qui ne sont pas les reines, ils ne sont pas les reines. Ils ne sont jamais les failles. Ils ne sont pas les reines. Ils ne sont pas les reines. Ils ne sont pas les reines. Ils jamais. Son règne n'a jamais connu de faille. Et dans ta vie, elle ne connaîtra jamais de faille. Est-ce que Nayoki amène une Amala? Et lorsque Israël était en train de dire aux peuples environnants que son Dieu était en train de régner, on dirait qu'il voulait dire à ces peuples-là, Bozala kimiata bo gagné bisol lelo lobi bo gagné te. Ponzambo ya salak, renine, ezana faite. Il y a parfois des moments où nos cœurs sont tristes parce qu'on se pose la question de savoir où est le Dieu de notre salut. Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi, après avoir beaucoup travaillé et espéré et avoir mis notre foi en lui, nous ne voyons rien? Et notre Dieu règne. Et son règne ne connaîtra jamais de faille dans ta vie. Est-ce que Nayo qui amène Nayo? Oh, ya, ya. Ce qui règne à Bana na bato échoua pour Nayo, Dieu n'échouera jamais sur ta vie. Yangona lingina peso 2 minutes au bon de la nzambe na obeta maboko. Olo banaye, tu n'échoueras jamais dans ma vie parce que tu es mon Dieu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Non, non, son règne n'a pas de faille. Et ce n'est pas dans ta vie qu'il va échouer. Parce que ce Dieu-là n'a jamais failli dans ce qu'il est en train de faire. Il règne, il règne. A côté qu'à règne, il y a pas détruire. Lui-même n'a jamais connu de faille. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se rétracter dans sa seigneurie. Il est en train de se lever pour te dire, son règne n'a point de faille. Son règne ne changera jamais. Prions le Seigneur, Yaya. Est-ce que tu es en train de prier? Le règne de notre Dieu n'a pas de faille. Le règne de notre Dieu n'a point de faille. Est-ce que vous tombez la mongongo na yo?
ko faillir te pour na dossier wana a ko sauter parce que lui n'a jamais échoué et c'est pas aujourd'hui qu'il portera l'habit des échecs. Même dans la souffrance la plus atroce d'Israël, Dieu leur a montré qu'il n'a jamais échoué. Balonga kaka, yango na pokwa na lelo na lobi na tata moko na mama moko zolonga. Parce que c'est lui à qui tu as attaché ta vie, c'est lui qui règne dans ta vie, n'a jamais connu de faille. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dis simplement aux voisins de gauche et de droite que Dieu te bénisse. Merci parce que tu as accepté d'être mon voisin. Mais n'oublie pas de prier aussi pour moi. Parce que dans ma vie, Dieu ne chouera pas. Est-ce que Yébissi voisin? Yébissa voisin, pour mon olibela, dans ta vie, Dieu ne chouera pas. Sauf un voisin, oh ya solo la rata, za la rabine, mina batounion, soyez bana. Le Christ va demander à ses disciples, lorsqu'ils vont commencer à prier, qu'ils ne puissent pas oublier de dire que le règne de Dieu vienne. Et tika la kakate, mais eko kisama. Oh, lorsqu'il était en train de dire ça, il voulait montrer aux disciples que le règne de Dieu n'a pas simplement des minutes, des limites, mais le règne de Dieu prend les aspects intégrales de notre vie. C'est un règne intégral. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, on a comme l'impression que Dieu entre dans des points. Mais en réalité, il y a d'autres aspects de la vie auxquels il ne pense pas. Et moi, en tant que pasteur baptiste, j'avais aussi ces pensées-là. Une fois, j'ai reçu une femme chez moi. Il est venu demander la prière. Elle m'a dit, « Maman, tu es bon de la peau, tu es bon de la peau, tu es bon de la peau, tu es bon de la peau. » Et je lui ai répondu, « Maman, tu es bon de la peau, tu es bon de la peau, tu es Yoro kufa, ya tikali. Ya mwana olio sengele liwa, na bona nga gomema makamba. Moi, je veux commencer à faire des études bibliques avec toi pour que je puisse te montrer comment est-ce que tu peux prendre ta vie en charge, comment est-ce que ta vie peut devenir une vie victorieuse. Ok, on a commencé avec les méditations de la Ligue pour la lecture de la Bible. Pendant plus ou moins 2-3 mois, on méditait, je lui ai montré comment est-ce qu'elle pouvait, prier. Et cette femme-là a mis tout ce que je lui ai dit en pratique. Mais une fois, elle est venue encore me revoir. Elle me dira, maman, lelo na tangi Bible. Bible wane lobi nanganzo toi moi si pona mobali na ye. Je dis amen. Parce que 1 Corinthiens le dit, « Yamoubali pona moi si naïen. » Je réponds aussi, « Amen. » Abi maman naïe to bonde là. Je vais le dire à Lingala pour que tu puisses mieux comprendre ça. Alors, maman, comment nga inzo to moubali nanga na saganaga nangote? Ya saganaga na oyuanga kendeke nango partout. Yangwa nga mukolo nzo to naïe ko bonde là. Maman ya fukami. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait. Naki Baptiste nange bele l'air a fou comme ya lobi nzambe ngana sakanaka na nzoto mubali na ngate mais yakendeke na oyu anga partout yangwana nga nkolo nzoto na ye na obondela mbalo yo soki akena ngo na libanda esimba te esimba kakaka na ndako yaya depuis nazala pasteur Baptiste na na yoka losambo abongote na kengeli mama ngo na malembe na kagimisu. Comment une femme peut prier comme ça? Amen, amen. Je lui ai dit, non, ne pars pas, je vais te donner la bénédiction du Seigneur. Et j'ai prié ce jour-là en disant au Seigneur, donne à cette femme selon sa foi et bénis-la. Amen. 2 mois après, elle revient. Maman, yaya na yo kuna moyente. Lelo na fanda ki nako zape na nga na television. Ya koti nanda kwa bandio loba ye moko. Oya sali kisi na ye na nzoto na nga. Sans effet na ye.
Et à la femme de poser la question, Nini, arabite nazolo bana mutute, nzoka na mubulu na nyoso tu wana ye barapeke sans effet zalaka. Le papa sort de la maison, mais il revient encore à la rescousse. Il dira, Nene nini awa makambu nyoso ezo kende malamu, kote musu ezo simbate, kisya mutu wana sans effet. C'est en ce moment-là que la femme a compris, lo sambo e kangiye. Ce jour-là, je dis à Dieu, na makambo boye yo kotaka. Biso to yebika ka yo suka kana molimo. Nzoka le règne de Dieu a des aspects intégrales dans la vie de chacun de nous. Yango na lingina lo bana moto moko na popo na lelo. Yana likambu moko te nzamba olemba na vina yo. Quelle que soit la force des aspects, le règne de notre Dieu est intégral. Or, intégral. Donc, il prend dans la totalité tous les problèmes de ta vie. Cela sous-entend, le règne de Dieu nous prend en charge. Le règne de Dieu est là. Le règne est là. Parce que notre Dieu agit d'une manière intégrale dans la vie de chacun de nous. Bien aimé, t'as là Jésus, t'as moi au tinda batu, ba bonde la pasca yebiete, et ça de loco mon côté, et coquio échappé na contrôle yanzambe. Et je suis en train de te dire, et anali kambu mon côté, et échappé na contrôle yanzambe na yo. Et c'est là que je compris. Il ne se limite pas simplement au spirituel. Il prend tous les aspects de la vie. Cela sous-entend ta réussite. Dieu y pense. Ta santé, à Okota. Même finance, à Osimba. Même voyage, tout, Shengaye, à Opesa. Parce que son règne a des aspects intégrales. Ah ben, je me convertis. Et les personnes auxquelles je prêchais la parole de Dieu pour la première fois dans ma famille, c'était ma mère et ma tante. Quand ça m'a s'est converti ici, on dirait ba fim ba ofiakolo na nzoto. Na laki si bango malamo ke vina bango ba okende li felo. Et si efungwa magi kutunga moko na mikoti sili bango ango déjà. Mais na lobi so bandimi Jésus te. Vina bango za ya obeba. Moi, je pensais que ma prédication a réussi. Le lendemain matin, ma mère et sa sœur qui frappent à la porte de notre chambre pour dire, Yaya, tu en as besoin. Tu yo ki malamu mateya, oh yo te yage biso. O lagisi biso ete toza basia bandumba po tozwa ramibali ebele to okende lifelo. Kaske na tongo yo to ye, to yo zwa bilamba nyoso to sombela yo nambongwa kindumba. Donc, tu as yole la ndengo la mukila kindengo zaleli. Si go yo mozo mona ke mateya au lieu produire longa et produire baboto la tout. Wana ko motuna, où est Dieu? Ya pendant 6 mois. Bakanganga bilamba nyoso me moyen pour lobela ba frère a groupe te na ki mukongo na nga makasi ke bakanganga ba plantu so boko ko sombele la nga ta silip. Moyo lobeza te po yo mozo na soni na ngo yebi wana e kota kana fuate. Je me promenais chaque fois. Na tonga, na singa. Pour ça, na sali mouvement ming. Sili pe katani, na mi tongeleli ango na nzoto. Pour tel me lemba ki na ko sukola. Et je me souviens, po il faut ka ukambang. Na tchango na ventilateur, maman, zo mona ventilateur, zo memela yo ango. Maman comprend que na chaka yango na basi na ba ventilateur ne. Kolo ventilateur akamati ventilateur.
abombi. Nzoka yebaki teke nga amwa na kini. Kutu sima congélateur et kausaka rapidement. Oh, il y a si mal congélateur est rapide, mais tu mets des choses à chaud. Pour ça, on a besoin qu'on repasse. Il y a un moment où il y a un moto. Il y a bien un autre. Il y a un moment où il n'y a pas de bibende ou un chaboy. Kawana. Bon, on a l'air, il y a un belé. Si on a gagné si mère, Nabiso. Mkolo baye aux ongles, on a dit, ah, bah, si vous faites mal, on a besoin de vous soutenir. On a l'air, il y a un moment pendant plusieurs temps. Botumba na binwang ponini pona nginda ki in English ayingindingi yeah. Yaya rena nzambe elo na sepela kanango eza na spe mo kote o eza limité ça perce tous les aspects de la vie de la personne ce soir aspect nini yango a vie nos omona neti nzamba négligé. Le bon de l'anzambo lo banaye côté langa likamboy parce que balobi nanga règne na yo eza intégral donc eza na aspect mon côté ya vie nango kotika côté langa likamboy est-ce que mutu moko aza sur na likambo ango azali ka mutu ango atelemi abandi bon de l'anzambo bando lobele makambo yo zo suki sa yo moko ko lobela batute nzamba côté la yo abunde la yo tombolo mongongo bando bon de l'anzambo est-ce que zo bon de l'anzambo e ana aspect mon côté ezongi saka même maïele, et zongi saka même santé, le règne de Dieu. Notre Dieu règne dans tous les aspects de notre vie. Prions le Seigneur. Nakani saki ozo bonde la. Et zana maka msoutang msou monara oyo anzambete. Oyo ngamoro na wosala nzoka nzamba kota ganyos. Oko salaka mako kote la yo nyonso. Eske zana motomoku ako bonde la. Ata oko remarke neti mayele eko sila. Mais le règne de Dieu est là. Lorsque nous lui faisons confiance, il agit toujours. Eske zo bonde la nzambe. Que ce bon de l'ensemble. Le Dieu qui partage son règne avec son peuple, c'est ce Dieu-là qui s'occupe de tous les aspects de notre vie. Les lois tellement qu'ankembo. A kota na ba aspect owana oyo wana batu bakokyo kota te ya kote la yo. À côté là, yo, à longue là, yo, prie le Seigneur, invoque-le simplement. Dis-lui ce soir, on me dit que ton règne prend tous les aspects de la vie. Comme c'est un règne intégral. Père! Aspect d'une yangozo kanisanzamba abosani. Aspect d'une yangona vina yozo mona neti nzamba okotate. Ce soir, il est en train de te dire que ton règne, son règne est intégral. Il prend tous les aspects de la vie d'un homme, corps, âme et esprit. Il n'y a jamais des aspects de nos vies qui peuvent échapper au contrôle de Dieu. Il est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Prenez place. Le Christ savait que le règne de Dieu, c'est le règne de tout est accompli.
tout est possible pour notre Dieu. Et lorsqu'il demandait à ce que nous prions à chaque instant, que ton règne vienne, parce qu'il comprenait que le règne de Dieu, c'est le règne de tout est possible. Même ce batubalobi est impossible. Pour notre Dieu, c'est possible. Pour notre Dieu, c'est possible. Et aujourd'hui, je veux dire à un frère qui est en train de pleurer, pour ton Dieu, c'est possible. C'est possible. Parce qu'il accomplit toutes choses. Pour lui, tout est possible. J'étais en train de rire une fois en regardant ma vie. Il y avait des épingles techniques qu'on appelle des finites. Les alarana ba boule moroboy. On a ya rose, ya rouge, ya blanche. Beaucoup de zaro tchango na bana bitendi. Menga na melia. Na ebite koma na melia, on mena tchaga na unoko. Na lina loba finite kei. Na salina bomba, mena monika liwe si etele melinga. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je Ma mère fut infirmière. Paix à l'âme de cette femme-là. Parce qu'avec ses efforts, j'ai été guérie. Ma mère est en hôpital. Je suis un peu plus de temps. Mon estomac. Et elle m'a mis ma lame. J'ai entendu ma mère prier. Seigneur, je n'ai qu'un seul Dieu. Attends, je suis allé à ma sanga. Quand je suis allé à ma sanga, je suis allé à ma sanga. Je suis allé à ma sanga. Je suis allé à ma sanga. Ma mère était en train de pleurer. Et en tant que corps médical, elle connaissait les conséquences à fini. Alors pour ma mère, c'était fini, mais elle s'attendait à Dieu. Na bosa na médecin wana te tata moko amukolo docteur Kisuka. Alessanga ba rouleau à bande hygiénique. Par jour, je mangeais 3 rouleaux de bande hygiénique. Oyo a pembe ya kitokote, oyo a rose. Par jour, nazala ozonga na radio 2 fois pour batale komi na niveau nini. Mais il disait à ma mère, peut-être ton Dieu va faire un miracle. Peut-être ton Dieu. Peut-être, peut-être, peut-être. Ah! Le Dieu de ma mère a fait un miracle. Nandenge bimela. Até tobola gade ou 3 choses. Mais aujourd'hui, je suis en vie. Le Dieu de ma mère a fait un miracle. Et là, je pense à Jacob et Laban. Lorsque Laban disait, heureusement le Dieu de ton père. Et moi, je pourrais dire aujourd'hui, le Dieu de ma mère a intervenu pour dire que nous avons un Dieu. Pour lui, son règne, c'est le règne de tout est possible. Quand on a l'ingina l'obano na problème, on a nzamba ou koka. Le Dieu qui règne dans nos vies n'a jamais été limité. Il peut toutes choses. Même si du point de vue médical, en tant que médecin, tu connais les conséquences de ce que tu es en train de vivre. Mais ce soir, je t'ai dit, c'est encore possible. Parce que le règne de Dieu, c'est le règne d'encore possible. Et ça, je me souviens de l'un de mes garçons, le docteur Beya m'a dit, ah, ton garçon n'a plus 6 mois de vie. Ou encore, il dira, je dois être sincère, ton garçon ne fera même pas 2 mois. Va lui faire du bien parce qu'il va mourir bientôt. Oh, Mutoro Koufara Mukolowana, aujourd'hui, il a 30 ans. 30 ans.
À 2 mois, on m'a dit qu'il allait mourir. À 2 ans, on m'a dit qu'il allait mourir dans 2 mois. Mais aujourd'hui, il est encore en vie. Et aujourd'hui, le docteur Beya est devenu pasteur. Le jour où on s'est rencontrés, je lui ai rappelé l'histoire. Il m'a dit, il est où ton garçon? Est-ce que tu peux me le montrer? Il m'a dit, ah, ça dans les champs de Dieu. Parce que sa vie, c'est une grâce. Bien-aimé, quel que soit le diagnostic de médecin, ne ferme pas ton cœur à la grâce. Parce que c'est lui qui est notre Dieu qui règne. Son règne, c'est le règne de tout est possible. Est-ce que mutumo kwaza nande kwaza malade ya wazo monesuki na lingina lobanoka ka c'est possible pour notre Dieu. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Même pour ta vie, c'est encore possible parce que notre Dieu dira un dernier mot pour toi. Bien-aimé, non simplement le règne de Dieu. Lorsque le Christ est en train de nous demander de prier que le règne de Dieu vienne, parce qu'il comprenait que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de méthode et de stratégie. Ce qu'a côté ici, ma méthode n'a pas changé. Je n'ai jamais compris Jésus, même aux dernières minutes de sa vie. Alors, Banabandi, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Bandioy, après ça ta offrande, tu n'as pas de sac. Akenda ta retraite, mon côté. Aïe, ta nanda kwanzamba zwa baptême, te. Mais yé soit fungole liye lola, quand? Djou. Et pourtant, na batumusu solobi na bango, va et ne pêche plus. Na musu solobi na bango, ta foi t'a sauvé. Yé batangela yé ni foi. Ni va et ne pêche plus. D'ailleurs, il était devant le dernier moment de sa vie. Mais pour ces bandits-là, le Christ a dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Si on a un lingara mkolo na okoma lola na tuna ye. Yaya, on a un dengeni leba koti si au paradis. Sans otimu la liboulou anda wanzambe. Opesa nou atambon wa construction te. Voilà. Parce que dans les stratégies de Dieu et ses méthodes, c'est seulement la grâce. C'est seulement la grâce. Le règne de Dieu, c'est le règne de la grâce. Il y a un bon de la Nzambe, il n'y a pas si bon moïna yo. Ngolou, et telema. Ngolou, et bimiselo méthode asika. Quand ça t'endenga salagi na ye wana osa la pena yo. Yo, wana méthode particulière. Yangwana pour Zakari, méthode na ye zalaki. Nzamba kanga ye mouno kwa loba. Te poa zalako comprendre soka lobi. Moi si moi ya bote zate ou bimise ba seke la va. Ba komisi e baba. Mais heureusement lorsque Jean-Baptiste est venu. Aya na kombwa famite. Aya pe na kombwa Zakari te sa j'aime. Chez nous, il n'y a jamais eu de Zacharie, de Jean. Abima Yemoko, nouveau départ, Yemokak. Et yo, le règne de Dieu pour toi, c'est la grâce. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de te dire, la grâce de Dieu est sur toi. Celui qui règne dans ta vie a ouvert une grâce pour toi ce soir. Pour te dire que tout est possible et comme tout est possible, Dieu se manifestera par sa grâce. Le règne de Dieu, c'est le règne de la grâce. Yangolo sambo na biso asuka to telema tolo baka na nzambe sale la biso ngolo. Nous voulons vivre ton règne dans nos vies, dans nos familles et dans nos travails. Règne alors, règne au milieu de nous. Est-ce que Moutouandi Miango, Téléma, Téléma, celui qui règne, c'est celui qui juge. Celui qui règne, c'est celui qui nous console. Celui qui règne, c'est celui qui est la réponse miraculeuse de nos problèmes. Bando tombo la mongongo lo bananzambe, merci parce que tu règnes. Je sais que ton règne est en train d'ouvrir la grâce pour ma vie. Ouvre la grâce.
afin que je vive tes merveilles. Tombola mongongo yaya bando bondela. Atelelo ko suki saboyete. Bando bele la reine yo memakangolu. Ezana ba méthode moko particulière na ba stratégie ko uta kake pa nzambe. Et ces méthodes et ces stratégies, c'est la grâce. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Lorsque le Christ est en train de nous montrer que nous puissions prier que ton règne vienne, il voulait simplement nous montrer que notre Dieu ne jouera jamais avec nous parce que sa grâce est là. Ah bando bele la ngolu e bando tele manabo moyina yo. Na yebite na aspen ni ozana besoin ngolu, mais dis à Dieu de te faire grâce. Dis à Dieu de te faire grâce. Est-ce que zo bande la nzambe? Est-ce que zo bon de la Nzambe? Abete na maboko bando bele la ngolu ya Nzambe kita na vina yo. Na baspe ya vina yo ngolu ya Nzambe bando kita tombola mongongo sikoyo. Alors bande na 7e jour yo, j'ai besoin de vivre ton règne. J'ai besoin de vivre ta grâce dans ma vie. Que ta grâce luise dans ma vie. J'ai besoin de te vivre, Dieu. J'ai besoin de te vivre. Y a-t-il une personne qui prie? J'ai besoin de te vivre. Tombola mongongo. Celui qui règne, c'est celui qui fait grâce. Il partage son règne avec nous par la grâce. Tombola mongongo, yaya. Non, la grâce est là. Le règne de notre Dieu est là. Oh, bandolo banaye, règne naye, kota na baspa vina yo. Règne naye, sale lengolu na ba étude na yo. Que son règne te fasse grâce partout où tu es. Tombola mongongo. Ah, batisana maboko yaya. Matisana mongongo. Est-ce que tu pries le Seigneur? La grâce est là. C'est là ce soir. Le règne de ton Dieu est là. Aotikate kombonecho la manavina yo. Israël a retrouvé le règne de son Dieu. Même dans les difficultés les plus profondes de leur vie, leur Dieu qui règne a intervenu. On invoque l'intervention de la grâce de ton Dieu. Même devant Mbonga Makasi et Telemaki, c'est le Dieu qui nous fait grâce. Alléluia. So como pepe mabel na kota la seyo na kosimba kaka kombo na yo Yesu na eli kya nanga na kozwa elonga na kombo na Kristo toku moto kende soki mo pepe mabe na kota la seyo na kosimba kaka kombo na yo Yesu na eli na kozelonga na kombo na Kristo mokonzi. Ce n'est pas les circonstances qui
qui peuvent empêcher notre Dieu de régner. Ce n'est même pas le temps qui effacera son règne au milieu de son peuple. Même la souffrance dans les aspects les plus obscurs n'effacera jamais le règne de Dieu. Le règne de notre Dieu fait grâce à son peuple. Le règne de Dieu se manifeste à chaque instant. Yaya yangwana bando senga kaka pona bana, pona bomo, pona venir. Que la grâce de Dieu intervienne. Que notre Dieu, celui qui règne, atika yote akotisona mpole. Même na molili à venir. Que Dieu devienne cette lumière-là. Oh, qui va éclairer ta destinée. Tombola mongongo yaya. Est-ce que zo bon de l'anzambe? Dans leur vie, le Christ demandera aux disciples à chaque instant qu'ils prieraient de dire que ton règne vienne. Aujourd'hui, moi et toi, devant l'impasse de notre vie, devant le noir le plus obscur de nos vies, c'est vrai. Le règne de Dieu est en train d'apparaître. Parce que le règne de notre Dieu, c'est le règne de la grâce. Père, nous te disons merci. Parce que ton règne est au milieu de nous. Si les règnes des hommes sont limités, mais ton règne n'a jamais été limité. Ton règne n'a jamais connu de faille. C'est pourquoi ce soir, Père, nous t'invitons afin que tu interviennes à nos situations. Que ton règne fasse crier la grâce dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce qui kaka batu niyo ke wapi nzambe na ye réponse wana nzambe kaka zongisaka nzambe et il répond par son règne. Gloire à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Amen.